En décembre, la Provence se métamorphose et se pare de ses plus beaux atouts scintillants aux couleurs de Noël. Les guirlandes lumineuses embellissent les façades et envahissent l'intérieur des maisons. Nous découvrons cette famille provençale qui s'apprête à fêter Noël. Pendant que les adultes préparent activement le gros souper, la grand-mère décide de réunir autour d'elle tous les enfants dans la salle de séjour. Une ambiance magique semble planer autour d'un doux feu de bois. La grand-mère compte les traditions provençales. Nos ancêtres étaient superstitieux et pratiquaient le rituel du cachofillo à cette période. Le plus âgé et le plus jeune portaient une grosse bûche d'un arbre fritier en faisant trois fois le tour de la maison si le temps le permettait ou le tour de la salle à manger. Le père de famille jetait sur la bûche de l'huile d'olive ou du vin cuit en disant, allègre, allègre, en l'endouveau, que si nous ne soyons pas plus, que nous ne soyons pas moins. La bûche était alors déposée dans la cheminée et son embrasement représentait la prospérité de la famille. Grand-mère profite de cette chaleureuse atmosphère propice à la confidence pour demander aux enfants de lui raconter leurs plus beaux souvenirs. C'est alors que l'adolescente aux yeux en amande et aux cheveux de jais se met à murmurer L'histoire de l'enfant du matin calme. Très curieux, tous se laissent captiver par son récit. Plusieurs adultes se sont penchés sur mon berceau, et sans cesse j'ai entendu de nombreuses voix. Oui, j'ai grandi avec un grand nombre de personnes autour de moi, mais je me sentais seule. Je ne suis pas née dans une rose. Une cigogne ne m'a pas déposée chez mes parents. C'est un oiseau d'acier qui m'a amenée en France auprès de papa et maman. Depuis plusieurs années, tous deux étaient régulièrement en contact avec l'orphelinat et me connaissaient bien à travers les lettres et les photos échangées. Je suis orpheline depuis ma naissance. Arrivée à l'aéroport de Roissy, je me trouve face à maman qui m'adresse un sourire rassurant et me tend la main, tandis que papa, portant un sac rempli de cadeaux, me regarde très ému. Émerveillée, j'ai découvert plein de petits trésors dans un petit panier en osier. Une jolie poupée bleue, un petit miroir rose. Ces petites attentions ont été déposées par ces personnes qui vont devenir ma famille. Nous nous dirigeons vers un joli appartement en ville. Mes parents me laissent découvrir à mon rythme mon nouveau chez moi. En rentrant dans ma chambre, je découvre un grand nombre de peluches plus ou moins grosses qui m'effraient. Pour m'apaiser, mon papa doit les retirer au plus vite, puis il me réconforte en me prenant dans ses bras. C'est alors que je fais une découverte extraordinaire, celle qui va par la suite devenir ma peluche préférée vivante. Daisy, la caniche femelle couleur chocolat. À leur première rencontre, j'ai eu peur devant la gaieté de cette boule de poil chocolat. Chocolat? Je ne connais pas le chocolat. Daisy me témoigne son affection en sautillant autour de moi. Maman se demande pourquoi je me promène toujours dans l'appartement avec ma petite chaise jaune sous le bras. Avez-vous deviné pourquoi? Les enfants, tout comme la grand-mère, se regardent les uns les autres sans trouver de réponse. Aussi, tout en souriant, l'adolescente poursuit son récit calmement. Eh bien, simplement, je me protège des débordements de joie de Daisy et quelquefois je peux m'asseoir pour pouvoir la prendre dans mes bras. Fatiguée par le voyage, je m'allonge alors sur mon lit. En fait, ce n'est qu'un matelas disposé à côté de celui de maman qui passera ses nuits à mes côtés pendant quelque temps. En Corée, j'avais l'habitude de dormir à même le sol. Grand-mère regarde la jeune fille avec affection. Tu as rapidement appris le français. Ton adaptation s'est bien passée. Cousine Claire, perplexe, demande alors Comment avez-vous fait pour communiquer au début Je parle à papa et à maman en coréen. Tous deux me répondent en français. Peu importe si nous ne nous comprenons pas, les gestes, les sourires, les bisous sont les preuves que nous sommes heureux d'être ensemble. Cousin Nicolas interroge alors la jeune adolescente. Mais comment as tu fait pour apprendre à lire? Celle ci sourit et lui avoue ses premiers pas à l'école française. Lorsque je fais mes premiers pas à l'école maternelle chez les moyens, avec la permission de madame la directrice, maman est à mes côtés. Au fond de la classe, elle intervient auprès de moi pour aider l'institutrice. La rentrée scolaire suivante m'a amené chez la section des Grands. J'ai réussi en deux, trois mois à acquérir un grand nombre de mots français, malgré un petit accent, J'emploie de courtes phrases françaises pour me faire comprendre. Papa et maman ont montré beaucoup de patience et m'ont apporté énormément d'amour qui m'ont donné confiance en moi. En cette période là, je me lance vers l'inconnu. Je découvre la langue et la culture française, et je dois m'adapter. Mes efforts doivent être soutenus. Oh. C'est pas drôle à ce moment là. Euh, tu ne penses qu'à l'école? s'exclame Cousine Claire. Mais pas du tout. Papa et maman organisent des jeux et des sorties de toutes sortes. Cousine Claire, toujours aussi curieuse, ajoute. Hum, si je comprends bien, il n'y a jamais eu de mensonge entre tes parents et toi. Jamais. Souvent avec maman nous avons discuté ensemble, elle m'a avoué ses sentiments. L'adoption fait appel à l'intelligence du cœur. Cette intelligence, tout le monde ne la possède pas. Beaucoup de personnes sont sectaires, et leur étroitesse d'esprit les empêche d'ouvrir leur cœur. Évite de les fréquenter elles ne t'apporteront que de la tristesse. Sache que je ne t'ai pas fabriquée, mais je t'ai faite, formée, aidée à grandir et à devenir plus forte chaque jour. Tu n'es pas de ma chair ni de mon sang. Avant toute chose, tu es une partie de moi, de mon âme. Je ne t'ai pas portée dans mon ventre pendant neuf mois, mais je t'ai attendue dans mon cœur pendant neuf ans. Cousin Marc, maladroit, ajoute, la situation est surprenante. Ton père et ta mère de France sont donc tes faux parents? En haussant les épaules, la jeune fille réplique rapidement. Et il n'y a pas de vrais ou faux parents. Ce sont des mots inadaptés. L'adjectif faux est réservé à des objets et signifie en toque. Le papa et la maman qui nous élèvent, nous soignent et nous aident à grandir sont des personnes destinées à avoir ce titre de parent. Les autres sont des géniteurs. Entre le parcours de combattant pour obtenir l'agrément de la DAS et les séances de préparation et d'accompagnement à l'adoption par l'association agréée, cette attente a été lancinante jusqu'à mon arrivée en France. Mes parents ne m'ont pas acheté. L'adoption est une grossesse dont on ne connaît pas la durée. Psychologiquement, mon arrivée a été douloureuse parce que trop longue. Maman m'a dit que j'étais l'enfant tant désiré, celui de l'amour. Papa et elle luttaient pour moi, lorsque j'étais bébé. Et il m'aimait déjà, bien avant que j'arrive en France. La jeune adolescente regarde les flammes dans la cheminée et s'exclame. Avec maman nous sommes restés très fusionnels, bien qu'elle m'ait toujours avoué que si je le désirais, il y a de l'argent économisé, afin de me permettre d'aller revoir l'orphelinat. Nicolas, attristé, s'écrie alors. Tu veux nous quitter et partir loin de nous? Elle hausse les épaules et lui répond pas du tout. Là-bas, il y a personne qui m'attend. Je n'ai qu'une seule famille et je porte leur nom. Ma famille est ici en France. Ma vie, mes amis et mes habitudes sont françaises. Je suis heureuse d'être avec vous tous. C'est un long chemin que j'ai parcouru depuis l'école maternelle. Mais ce long chemin, je ne l'ai pas fait seule. Tous se mettent à rire, ils savent bien que lorsqu'on est deux, il est plus facile d'affronter les difficultés qui se dressent dans un pays étranger. L'adolescente a un sourire complice en regardant vers une personne euh, qui jusque-là était des plus silencieuses. Aujourd'hui, nous formons une vraie famille, mais elle a toujours été là à mes côtés, en Corée comme en France. Elle est mon double, mon âme sœur, ma jumelle. Marion, qui a pris le même prénom français que moi, mais non composé. Papa et maman ont ramené à la maison deux enfants. La jumelle Marion enchaîne et s'exprime alors. Je me souviens les parents nous ont placés à l'arrière de la voiture conduite par papa à l'abri du tumulte de l'aéroport de Roissy. Fatigué par le voyage, je m'endors dans la voiture. Tout en se regardant dans un petit miroir, ma sœur se coiffe avec un petit peigne, persuadée de faire pousser ses cheveux, coupé trop court à son goût. Quand nous sommes arrivés dans notre maison, nous avons découvert notre jolie chambre. Pour notre premier repas, les parents nous ont laissé manger tranquillement, sans nous contraindre à la nouvelle nourriture. Je suis la première à goûter chaque aliment, et je fais un signe de la tête pour dire à ma sœur si elle peut manger. Pour nous familiariser avec les aliments, maman nous fait découvrir les joies de la cuisine. Une personne est plus tentée de goûter aux aliments lorsqu'elle joue un rôle dans la préparation. Cela permet de développer un certain intérêt pour les aliments et les nouvelles saveurs. Nous ne touchons pas aux gourmandises. À l'orphelinat, nous n'avions pas l'habitude d'en déguster. Le sucre est inconnu pour nous. Quelle a été notre surprise lorsqu'un jour nos regards se sont posés sur une vitrine qui regorgeait de décorations sucrées. Nous étions alors entrés dans cette pâtisserie, émerveillés par cet univers féerique qui étalait des gâteaux de toutes les formes et des bonbons de toutes les couleurs. Nos parents profitent souvent des week-ends pour faire des promenades tous les quatre et nous faire découvrir plein de choses instructives à Paris ou aux alentours de la capitale. Après quelques jours de congé, papa reprend son travail d'ingénieur et, grâce à ses congés de maternité, maman qui est enseignante reste à nos côtés. Quotidiennement, elle organise des activités diverses pour éveiller notre curiosité. Nous dessinons et écrivons à notre guise. Maman ne nous impose rien. Tout en souriant, elle observe nos gestes, écoute nos paroles, et parfois les enregistre. Sa sœur jumelle reprend alors la parole. C'est vrai. Nous passons de merveilleux moments de complicité avec elle. Elle nous fait partager sa passion pour la peinture. Mais également celle pour la musique en nous apprenant des contines en français avec sa guitare. Plus tard, j'apprendrai à jouer de la flûte traversière et ma sœur du piano au conservatoire de musique. Le soir, papa ou maman vient nous lire un conte en français décoré d'images. Nous écoutons avec attention et regardons avec curiosité les illustrations. La lecture est l'une des activités agréables que l'un ou l'autre effectue le soir avant de nous endormir. Ce rituel nous a permis de développer notre vocabulaire et d'enrichir notre imaginaire. Tous ensemble, au printemps, nous profitons des congés de papa pour aller en Provence voir grand-mère. Sous un doux soleil, nous nous baladons à la découverte des divers paysages provençaux. Partant calme, nous voguons en Méditerranée sur le voilier rouge de papa. Grand-mère murmure avec émotion, c'est toujours avec plaisir que je vous reçois chez moi. Vous êtes nos enfants du matin calme, nos fleurs de lotus qui ont apporté beaucoup de satisfaction, de joie et d'amour à leurs parents. Sans vous, nous serions très malheureux. Merci, ma Mimi, réplique Marion, tandis que sa sœur vient se blottir contre la dame âgée. Oncle Paul est venu les rejoindre en tapant des mains. Le repas est prêt, nous pouvons nous mettre à table. Il regarde tout ce petit monde rassemblé devant la cheminée. Vous voilà bien calme. J'ai l'impression que vous êtes ému par les paroles de vos cousines. La prochaine fois, elles vous raconteront leur séjour au ski. Allez, venez tous manger en famille